Raza Paris Info, tout le monde est d'accord. Votre site de référence www.braza Paris Info. Fimbona, Fimbo, Gaz, Nagaz. Lélo, bonne émission, vérité pour Lélo. Nous avons le plaisir de recevoir Godefroy Karanda, le président du Conseil national de transition en provenance d'une tournée africaine. Tout ça pour un seul but et l'objectif de faire partir monsieur Denis Sassou Nguesso après 32 ans de pouvoir. Monsieur Godefroy Karanda, Tomoni visite il y a le président Denis Sassou Nguesso en Chine. Yo en tant que motomo nene na rata politique wana poto au lobini. Na ko bana lingala yo bien na le poto parce que merci déjà. Tout le bana ma deux langues même na munuku tout ba même to naviguer que na biso. Monsieur Denis Sassou Nguesso est parti en Chine en tant que simple citoyen parce qu'il n'a pas gagné les élections. Donc, commenter déjà sa visite en Chine, ça serait maladroit de la part d'un homme éclairé comme moi. Mais si vous êtes moni à Kangi Général Mokoko, en tant que leader politique à l'opposition, qu'est-ce que vous répondez concrètement? C'est un non-événement pour moi, arrêter un général qui a été son collaborateur, qui est plus intelligent et plus diplômé que lui. Déjà à la base, il dit que ce monsieur-là a fait un coup contre la sûreté de l'État. Je me demande si M. Denis Sassou Nguesso, en tant qu'ancien enseignant et soi-disant général d'armée, n'a pas de notion élémentaire de droit. Si il était un danger pour la République, pourquoi M. Denis Sassou Nguesso a nommé le général Mokoko comme étant son conseiller spécial chargé de la paix? Et donc aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est le contraire de la paix. Donc M. Sassou est en porte-à-faux avec sa conscience. On n'est pas dans les avertis, dans les injures, mais on est dans la vérité. Que M. Sassou Nguesso me repente. Donc, avant de nommer un conseiller, il n'a pas eu son CV, il n'a pas appelé les services secrets pour savoir. Tout cela, c'est de la distraction. Le peuple, il y a l'Internet, le peuple sait que M. Sassou, c'est un champion des effets spéciaux. Je ne sais pas si vous suivez le cinéma. Braza Paris Info, tout le monde est d'accord. Votre site de référence, www.fimbona.fimbogaznagaz. Mais Godefroy Karanda, lelo tozomona na kati ya Congo wana. Il y a une grande révélation. L'ancien directeur des renseignements, il y a France, M. Squarcini, nous espionnait. Yo nangai na bato mosusu na ba gima fimba na ba Jeanne d'Arc bespionné ke biso yo moins likamona ndengeni parce que trop c'est trop nga pe na tombo ki pe déjà. Monsieur le journaliste, je veux vous dire en toute honnêteté, monsieur Sassou n'a pas fait la grande spiritualité. Il a utilisé son argent pour être grand maître dans ceci cela, mais il a oublié des bases. Un patron des renseignements généraux qui va au Bourget prendre l'avion, est-ce qu'il est sérieux? Mais c'est dans les aéroports, là où il y a tous les espions de la France. Il va à Brazzaville. Il a travaillé avec Sarkozy. Hollande l'a délogé parce qu'il était dans la mafia avec les... Et un matin, il revient, il a beaucoup d'argent et tout. Mais on est allé seulement faire une perquisition chez lui. Je vous ai dit et je vous rappelle que M. Sassou paye des détectives privés. Et même ce monsieur-là a utilisé des gens qui sont encore en service parce qu'il a été le grand patron. Donc il y a des colonels, il y a des commandants qui sont dans la police. Moi, j'ai eu des contrôles. Ma société n'a pas généré des bénéfices. Mais j'ai été contrôlé, mais d'une manière vraiment où j'ai été devant les policiers. Ça, je vous le dis aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude. Mais est-ce que Sassou a besoin de payer ces gens-là? Pourquoi Sassou ne peut pas venir voir M. Mobebe ici? Vous avez une chaîne qui éveille les consciences. Je vous donne 1 million, quittez les Karanda là et tout. C'est encore plus propre. Il peut vous payer. Vous êtes Congolais d'origine. Il dit, mon fils... Au lieu que vous puissiez donner la parole à Karanda, parce que quand Karanda parle, là où je parle, il y aura des gens qui vont manger à la crise au Congo. Parce que mes vidéos sont vendues par les gens de Tietier, mes amis de Ngamakoso, de Swanke, de Kakameka. Dès que j'ai parlé, ça fait un mois que je n'ai pas parlé. Et j'ai eu des messages, mais le président en attend. On ne parle pas pour le président de parler. Lorsqu'on atteint une certaine dimension en politique, on se réserve le droit et tout. Aujourd'hui, je vais parler sur 3 sujets. Aujourd'hui, les Français ont comploté avec Hollande, les Congolais plutôt, pour nous desservir, nous les opposants et tout. Mais aujourd'hui, on assiste à quoi? Ils perdent même les matchs et tout ce qui s'ensuit. Il y a ce qu'on appelle la loi de la rétribution.
toutes les personnes qui ont comploté avec Sassou, ça sera, ils seront mis à nu. Parce que même Hollande n'a jamais pris l'argent de Sassou. Mais Hollande est un monsieur qui a un double langage. Je vous le dis. Ce sont ses ministres qui ont pris l'argent de Sassou. Mais aujourd'hui, avec le temps, il comprend avec ses conseillers qui l'ont menti. Il n'est pas dans le droit chemin. Il a déjà perdu les euros, comment on appelle ça, la Coupe d'Europe là. Il a l'obligation de régler le problème du Congo. S'il ne règle pas ça, s'il passe président, je quitte la France et je lui rends la nationalité française. Moi, j'ai dit que Sassou va tomber, Sassou est tombé. Sassou n'a jamais gagné les élections. Il a eu 8%. C'est pour ça qu'il veut humilier Moukoko. Tout simplement parce que Moukoko, c'est un homme du Nord comme lui. Et c'est Moukoko et les Boao qui ont permis à ce qu'on sache que lui, c'est un tricheur. Et je comprends. Parce que Moukoko, vous savez, Boao, moi, je l'ai sous-estimé pendant longtemps. Mais aujourd'hui, je vais faire un mea culpa. Toute la stratégie des élections, c'est Boao. Et actuellement, il y a les petits de la présidence qui travaillent avec Sassou qui m'ont dit, vieux, faites attention, Sassou est en train de faire avec son procureur, là, celui qui est comme un lézard, là, comment on l'appelle, je ne sais pas. Je ne connais pas. Voilà, je ne sais pas. Un colonel qui a étudié à Cuba, qu'ils sont en train de tout mettre en œuvre pour arrêter Boao. Mais c'est du cirque. Sassou peut arrêter tout le monde, la machine est en marche. Sassou peut arrêter Internet. Il a arrêté Internet pendant 4 jours et lui-même, il connaît. Qu'est-ce qu'il a? Le coup, aujourd'hui, la crise congolaise, c'est dû aux horreurs de Sassou, le vol. Il avait dit qu'il a de l'argent quelque part pour maintenir, pour les générations futures. On n'a pas vu ça. Sassou est dans le mensonge permanent. Si tu vois la vie de Sassou, Sassou n'a aucun mérite. Je vous le dis et je vous le répète. Il est général d'armée. D'accord. Mais aujourd'hui, je veux me permettre de... Nommé par le bureau politique du PCT. Oui, merci. Je leur concède ça. Monsieur le journaliste, je suis... stomaqué de voir qu'il y a des gens qui ont travaillé avec Sassou, des ministres, des généraux qui ne connaissent pas Sassou. Ça soit le même mode opératoire. Ce qui est bleu, il l'appelle noir. Et dès que vous le suivez, il vous donne l'argent, vous partez dans le noir. Mais alors que le bleu est là. Il est enseignant, il est devenu. Moi, je vous ai dit que c'est le même mode opératoire. Moyibi, Artiklaka, Moyibi. Motalokuta, Artiklaka, Motalokuta. Ça soit, c'est à Yibanini. Ah bon? Bon, dites-moi, on a eu le pétrole. Pendant plusieurs années, on n'est que 3 millions d'habitants, les 1 million c'est lui qui a ajouté, donc le Rwandais, bah, pourquoi aujourd'hui on est en crise? Le baril du pétrole tombe en peu de temps, on est en crise. Est-ce qu'il est sérieux, il va aller prendre le Yann? Mais ce sont les mêmes erreurs, soit disons qu'il est grand maître. Il a reproché, de la même manière que Lissouba a voulu traiter avec Orsi, lui il est allé en Chine là-bas, mes amis français m'ont déjà appelé, ils ont dit qu'on va tuer ce monsieur. C'est les Français, hein, c'est pas nous. L'opposition n'a ils pas... Ils ont dit quoi? Qu'on va lui mettre hors d'état de nuire, je m'excuse. J'ai fait un lapsus. On va dire, oh, ils ont vérité, polélé. Non. Monsieur Karanda, bon, moi qui vous parle, je suis votre jeune frère. Mais moi, vous savez, ils m'ont espionné pendant la COP21, ils envoient des détectives devant chez moi, tout ça là, c'est rien. Mais t'as vu, les mêmes Français que... Pardon, s'il vous plaît. Ils ont fait ça, je suis au courant. Mmh. Mais vous savez ce que ça fait? Non. Les mamans là se disent quoi? Mais toi, tu pratiques la Bible, même toi-même, tu ne sais pas, tu te sous-estimes. Et lui, il est dans une dimension de vouloir te tuer, de vouloir te pervertir. Mais il y a des mamans qui font des prières pour toi. Je te le dis aujourd'hui, nous tous l'avons pris pour toi. Parce que la parole, au commencement, était la parole. Même les magiciens utilisent la Bible pour parvenir à leur fin, pour faire leur incantation. Tu sais, nos photos, on a donné... Naba indien, naba nini manini. L'ilobesa, la vérité, sa vérité. Mokolo toko banda makamba ki moyibi. Que nous koutons dans la mango zobambang na moto kouya. Parce que les kambo, ezali kambo ya mboka. Ezali kambo ko sakanate. Mais si ko bango nenge ba tinda ba détective wana. Ba monite ke lelos ko ba même français oyo bango. Ba pesa ba mbongo pour avoir espionné biso. Ba zuli sou ba même document na bango ba pesi biso ango. Yo le benini. Ba sa souba ba complexé. Ba 8 ans na katia ba mboka mike ba yebanite. Ba Rolanda ba sanglier. Voilà. Ba yawa kokolia ba misombo ba ki ba primitif. D'accord. Ba Rolanda ba lingwanda. Merci camarade journaliste. Ba sala randen ba kufuta mbongo na bato pour na ba ka bana bango ba joba photo et comprends nga ya bongote. Nga na mona Hollande avant Sassou. Si Hollande boy yango na mémorial de con et puis na pesa ye document. Moi j'ai donné un document au président Hollande. Je le dis, je suis français, j'ai donné un document au président Hollande. Qu'il ressorte ce document-là. On a parlé pendant 15 minutes à la préfecture de Caen. Quand il était président au 5e mois, au 6e mois. Je prends comme témoin un ami qui est officier, Guy Kier. Sir Kier plutôt. Avec tout le respect que je lui dois.
Hollande, c'est un tricheur. Je le dis, je vis en France, je suis français. Mais aujourd'hui, il est en train de vivre l'effet boomerang. En voulant faire... Sarkozy a ses défauts. J'ai sous-estimé Sarkozy. Si Sarkozy était au pouvoir, ça serait hors ligne. Et aujourd'hui, je vais m'adresser au président américain. Un Africain que tout le monde a béni, il est passé président, les anciens présidents, même sur fauteuil, arrivent, tu fais rien pour l'Afrique. Monsieur Obama, je suis très déçu de vous, vous avez une belle femme, vous avez des beaux enfants, si c'est ça l'image, mais pour un grand homme et tout et tout. Et je vous défie aujourd'hui, pour le Congo, mes grands-parents étaient les rois, mon coco en prison, sans les Français, sans les Américains, un jour je vais prendre le pouvoir au Congo, et je vous le dis aujourd'hui, je n'ai jamais voulu le dire. Que les gens qui me connaissent, que les gens qui ont fréquenté avec moi à l'école, que les gens qui me connaissent, même mes parents, mon père, ma mère, mes frères, si je n'ai jamais dit ça, depuis mon enfance, que je serai présent et Sassou le sait. C'est pour ça qu'il m'inquiéta d'Olysée, je vous le dis aujourd'hui. Parce que Sassou est en train d'attraper les gens, il pense qu'il se croit en territoire conquis et tout et tout. Mais s'il était puissant, pourquoi il vient à Djamala prendre les fétiches? Qu'il reste au lieu, non, prendre les fétiches. Mais écoute, monsieur Karanda, je vais te faire aussi une révélation. Mon grand-père, moi je suis de Lekana, Sassou venait prendre les fétiches chez mon grand-père avec Ntiba Florent. Bana le kanaba e biango. Donc, au moment où tu es marabouye, il y a un signe. Quand on a un signe, il y a un signe qui est Sassou qui est Oyo. Ceux qui s'assoient à Zoya, en 1982, voulaient Zoya. C'est mon grand-père. Beaucoup de tout dans Tiba Florent. Donc, au moment où tu es à la kabouye, ah, c'est pas grave. Je viens dans la Karanda. Tu continues ma solo quand n'engue zawa nakuna si koyo n'engue ba dossier secret et comme obi man internet ba audition ma Maurice Ngesso y a ba Kiki Sassou et Toka et toute la clique au Ndongo, tous ces pillards, ceux qui sont en train de tuer le peuple congolais à petit feu, maya malongue zate courant malongue zate et comme obi man poissa ba mindele bango ma mutape si ba dossier wana to le banini mon frère ba Sassou ba kosa kana mboka parce que ba Simba télé Congo. Mais ça soit bleu une chose qu'Internet, il ne peut pas maîtriser ça. Lui dit que les Français sont ses amis. Non, ils ont de l'argent, ils donnent beaucoup d'argent aux Français. Ça se pouvait se courber devant une jeune fille comme Nono. Mais nous, on n'a jamais été au gouvernement. Mais on a été reçus par les mêmes personnes. On dort dans les mêmes hôtels. On porte les mêmes montres, les mêmes costumes. Qui se pose la question? Mais ça se pour partir, si Ngondo n'est pas là, si le trésor, l'argent n'est pas prêt, il devient nerveux. C'est ça, un homme limité. Moi, depuis que je parle de Sassou, j'ai déjà vu un homme du PCT prendre le micro, venir me contredire. On se connaît à Paris. On sent là qu'ils viennent à Paris. Je demande à Sassou d'envoyer un Congolais qui vienne parler avec moi, qui me connaît, qui connaît ma vie. On sent là, je mettrai mon père là, ma mère là, ma femme là, ou mes enfants. Pour dire, bon, ce qu'il dit là, qu'il m'amène des preuves. Mais eux, ils ont signé des auditions, ce sont des voleurs. Ce que vous avez mis à la télé, comment on appelle ça, sur Internet là, aujourd'hui, mais c'est une preuve. Quand vous êtes voleur ici en France, on vous convoque. Mais eux là-bas, ils se disent qu'ils ont des passeports diplomatiques, on ne les convoque pas. Mais là où ils sont là, je pense que ce soir-là, ils ne vont pas dormir. Et même, aujourd'hui, ils ne sont plus dans la logique de tuer. Il faut dire la vérité. Ils ont tiré sur le général Mbaou. Il y a eu les événements du Stade de France. Il y avait toute une liste des gens que eux, ils devaient tuer. Le poison. Moi, j'ai mis mes résultats aujourd'hui. Je sors du Soudan d'une tournée africaine. J'ai pris mon bilan médical, j'ai envoyé. Mais Sassou est bête, il sait que j'ai envoyé ça aussi à Hollande et au Premier ministre français. Bon, maintenant, il va me mettre le poison. Un matin, je vais mourir. Mais des médecins dans la diaspora, ou bon, plus grave encore, les gens du PCT se sont levés pour dire non. Le chemin qu'on a choisi, là, on n'a jamais créé le PCT pour supporter Sassou. On a créé le PCT pour être au pouvoir, mais ce n'est pas pour supporter Sassou. J'ai discuté avec les gens du PCT hier. Et curieusement, les plus intelligents au PCT sont relégués au second plan. Le fils du président, on m'a fait une révélation. Il arrive avec 35 membres du comité central. Bon, est-ce que Kiki connaît le statut? Madame Karanda, qui est ma mère, a été membre du bureau politique du PCT. A été membre du comité central du PCT. Bon, que Kiki vienne m'expliquer que Madame Karanda a dolisé au temps de Yeni Richard et de Ngatono. Kiki connaît le statut? Tu vois une... Et pourtant, moi, j'écrivais à l'époque, j'étais en terminale, en troisième, maman dit, non, le statut. Et tout, je voyais les maires, tu comprends, je connais. Les Yenge Pierrot, je connais l'histoire, l'historique du PCT. Ma mère était au PCT, c'est pas moi. Moi, j'ai le Conseil National de Transport. Moi, je ne vais jamais être derrière mon Ngonga, le défunt, ou bien, excusez-moi, derrière quelqu'un, un homme politique. Si aujourd'hui, la politique ne marche pas au Congo, parce que il y a eu de nos aînés, comme les Sassou, qui ont menti les jeunes, il faut être toujours derrière nous. C'est faux. Je vais tous les chasser. En tout cas, les chasser. Je suis en train d'attendre. Mon moment viendra sans les Français ou les Américains. Le Congo, là, nous appartient. Les vieux, là, je vais les parquer. Les jeunes doivent émerger.
et le c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, je demande aux mamans du Congo de me mettre dans la prière à tous les jeunes. Que Sassou vienne m'expliquer que j'ai déjà pris un front, et bien on a déjà traité ensemble. Les gens tombent, les gens n'arrivent pas à faire tomber Sassou parce qu'ils ont dealé à un certain moment avec Sassou, c'est ça leur péché. C'est pas qu'ils ne sont pas brillants, et je comprends tout, c'est une notion élémentaire de spiritualité. Que les Congolais apprennent à ne pas s'asseoir avec les enfants de Sassou, même un coup de fil, même ce... Ils sont malhonnêtes. Quand ils t'appellent même, ils ont besoin de te servir, de prendre en photo. Après ils disent que voilà, tu es venu chercher l'argent. On va chercher quel argent? Moi aujourd'hui j'ai 48 ans, je vais aller chercher l'argent. Quel argent chez Sassou? Sassou va me donner quoi? Lui-même il est pingue, il est radin. Regardez seulement sa maison en pila. Est-ce qu'un chef d'État peut vivre dans ces conditions-là? Ce sont les conseils qui l'ont ramené là où Lissouba vivait. Sassou n'a jamais bien vécu. Il n'a rien mérité. Même dans l'enseignement. Aujourd'hui si Sassou était vraiment un enseignant, il devait faire les erreurs qu'il est en train de faire, mais à la pédagogie dans l'enseignement. S'il était un vrai général, dans l'armée il y a des codes. Il y a des codes dans l'armée. Mon père était militaire dans l'armée française. Il a son dossier. On ne tue pas, on n'humilie pas. Et je comprends. Même les parents d'un ami général, s'ils sont là-bas, il y a des codes. On dit, bon, on déplace les parents parce que je vais pilonner. Entre les pays, il y a des codes pour... Mais regarde ce qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est bien pour les pays voisins? Mais aujourd'hui, ça souhaite en train de ramener. Et je comprends. Moi... Les gens comme les Okonga Kalalema Bialala, quel que soit le président qui va être élu, parce que en matière, déjà être président c'est un destin. C'est Sassou qui est en train de blaguer avec son destin. Et Sassou n'a jamais été élu. Ça, les Congolais ne font pas cette différence-là. Le président qui a été élu, c'est Lissouba. On doit restituer l'histoire. Quand on veut être sérieux en politique, Sassou n'a jamais été élu camarade journaliste, je vous le dis en toute honnêteté. Donc, demain, s'il y a quelqu'un qui est élu, quel que soit le degré de la démocratie, j'ai dit et je répète, si ce n'est pas moi, si c'est quelqu'un d'autre, parce que on ne va pas être dans la dictature, le moyen est sable. Si je ne suis pas président, je vais négocier avec le président qui sera en place, je vais mettre tous les gardes du PCT là. J'ai déjà choisi mes sites, à Mukondo, à Dolizy et à Makola, à Pointe-Noire. Ils doivent avoir des soins psychiatriques. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur tête. Brazza Paris Info. Tout le monde est d'accord. Votre site de référence www.fimbona.fimbogaz.nagaz. Awezalara toujours. Vérité polélé polélé. Monsieur Karanda, président du Conseil national de transition. Politicien à mon nene awanara tcha diaspora. Batoutou baebi. Mais ce que tu kende suko, tu kota na mozindo amasolo. Bisous tu lia ka franc français na héros. Sassou a quelque signé par accord pour tout lié à Yohan. Même par erreur au Mungabe à Sala. Peuple à Mungabe qui ne couvre qu'un zala au Sakanate. Et puis quand je vois certaines personnes qui volent, qui vivent au crochet de l'État, venir narguer le peuple sur Facebook, franchement, je suis choqué. Président Godefroy Karanda, Panza Vérité, réponse Néo Zanine. Qu'il voyage en Chine, la. Meilleure lettre que les Congolais ont eu à faire à Sassou, c'est le 8%. Et le 8% pour dire que personne ne l'aimait. Sassou a failli mourir, il a failli se suicider. Ça, c'est le vrai message. Mais est-ce qu'il connaît les finances, les gens qu'il choisit? Demande à Sassou, toi en tant que journaliste, pose une question à Sassou, un virement bancaire, c'est quoi? Il ne connaît pas. Un virement bancaire, c'est un transfert de fonds à un compte à un autre. Demande à Sassou quand est-ce que la balance commerciale est déficitaire. Il ne saura pas. Il dit déficitaire, c'est quoi? Ou excédentaire? Donc lui, sa force, c'est d'humilier les gens, sortir avec les femmes des gens, tuer les gens, empoisonner les gens. Il se retrouve, il tape les mains, et il fait les mains comme ça avec ses enfants. Ah, tu as vu un carabin? Mais aujourd'hui, si vous me tuez, moi, je ne suis pas dans la logique des suicidaires. Je ne suis pas comme les autres politiciens qui vont à Brazzaville, soi-disant que Sassou ne va pas les arrêter. Sassou ne m'arrêtera jamais de ma vie. Il ne va jamais m'humilier. Il peut me tuer par empoisonnement ou quoi. Le mal est déjà fait. Ce que moi, j'ai créé chez Sassou, il ne pourra jamais rattraper ça. Ce que toi, tu as créé, tu as permis aux Congolais. Le Congolais avait la muselière. Aujourd'hui, on parle d'Alain Mabankou. Est-ce que Alain Mabankou a parlé avant nous? On parle de Mokoko. Mokoko a parlé avant nous? Okombi a parlé avant nous? Disons la vérité. Bissot Mototora Makolo histoire. Voilà, c'est nous qui avons démystifié. Voilà, on va restituer cette histoire-là. Je n'ai rien contre mes aînés.
Mais n'empêche, moi, je me suis dit, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Il a bricolé sa constitution. Je n'ai pas 3 ans de résistance, de résidence. Qui a la probité morale parmi toutes les personnes qui vont s'opposer? C'est mon coco, parce que je l'ai connu quand il était chef d'état-major. J'étais ami à Seydi, l'un de ses beaux-frères. Il avait la rigueur, 19h, il était déjà à la maison. Donc j'ai essayé, et puis je connais comment il fonctionne. Je me suis dit, bon, la Bible est aussi claire. Ne peut te détruire que celui qui a travaillé à tes côtés. Et donc quand j'ai vu ça, comme je crois à la Bible, je suis catholique, j'ai dit, mon coco peut battre Sassou. Il a battu Sassou. Mon coco a battu Sassou. Toutes les humiliations là, c'est parce que... Mais aujourd'hui, que Sassou se pose la question. Tous les vieux du Congo, un pays est dirigé sur le plan mystique et sur le plan physique. Sur le plan mystique, devant lui, on a donné tous les pouvoirs à Mokoko. Lui, il est allé faire des perquisitions pour prendre. Il n'a rien pris. Les trucs sont à l'étranger, chez ses enfants ou je ne sais pas, chez ses parents. Il n'a pas les... Mais comme... votre président, pas le nôtre. Non, c'est pas le mien. Merci. Bon, comme monsieur 8%, c'est un mythomane, c'est sûr qu'il y a un colonel qui a pris une canne à ceux qui lui a remis et puis l'a donné 1 milliard. Il est toujours dans la logique. La fille Nono a pris beaucoup d'argent avec son mari, les Soudans, tout ce monde-là, les Pigas et tout le monde. Il a pris 1300 milliards dans le budget 2015 pour donner aux Blancs et aux renseignements généraux. Moi, j'ai été coincé par la brigade financière, mais je suis en vie. Je ne suis pas en prison. Son but, c'était quoi? Il a payé un petit politicien ici. J'ai eu des enquêtes à dormir debout ici sur ma société. Moi, j'ai ri. Heureusement, c'est pour ça, dans la vie, petit frère. On peut avoir, monsieur le journaliste, petit frère, c'est peut-être parce qu'on est congolais, mais vous êtes un grand journaliste. Vous avez fait un travail qui mérite une décoration ou un poste ministériel quand on va s'installer au pouvoir, parce qu'on va remettre les choses en place. Dans la vie, même quand on est dans le faux, il faut toujours avoir une certaine probité morale. Ce qu'on a fait à Sassou, si on était dans le faux aujourd'hui, on serait en prison. La preuve, ce sont les Français qui ont dit que nous, on a le patron, l'ancien patron de la police qui surveille les Congolais ici, moyennant les jets privés et tout. Est-ce qu'il a besoin de ça? Sassou ne peut pas appeler les Congolais avec 1500 milliards, vous dites, bon, moi je suis un malfrat. J'ai tué des chefs d'État, j'ai tué des monseigneurs, des cardinaux, on m'en veut à mort, vous êtes mes enfants, je vais aller arrêter, j'ai peur de la prison. Bon, je vais être président d'honneur d'un pays, vous êtes président et premier ministre, je vous donne 10 ministres, et puis laissez mes enfants en paix. Ils pouvaient... Regarde, on a perdu l'argent pour les élections, pour le changement de la constitution et tout, tout. Thierry Mungala, sous le mal de Sassou, les Mabiala, c'est des gens qui pensent connaître Sassou. Mokoko Ntsourou, on travaille avec Sassou. Sassou les a humiliés. En fait, le problème de Sassou avec Mabiala est quoi? Et le Thierry Mungala, c'est quoi? Ils l'ont tellement humilié, ils l'ont tellement insulté, il les prend, il les fait jouer des faux rôles pour les exposer. Tu as vu le côté félin de l'homme. Mais comme Mabiala est avide d'argent, comme Mungala est cupide, comme c'est des gens idiots, je pèse mes mots, c'est deux idiots. L'intelligence, ce n'est pas les diplômes. Tu peux faire 3 ans en première année, 3 ans et tout, tout. Moi, je n'ai pas fini mes études. Mais je suis éloquent, je suis pondéré, je suis équilibré, je suis intelligent. Parce que je sais de quoi je parle. Quand je dis des choses, ça sort droit de mon cœur. Or, les Mungala, ils viennent faire l'apologie d'une personne, le culte de la personnalité. C'est différent. Moi, je ne peux pas travailler avec Sassou. Même si je travaille avec Sassou, je ne pourrais pas parce qu'il a la fin de son cycle. Je ne peux pas et c'est un tricheur. Mais eux, ils font le culte de la personnalité. Est-ce que tu peux être à l'aise quand tu connais? Est-ce que Thierry Mungala connaît Sassou? Sassou a des enfants, non? Pourquoi les enfants de Sassou ne viennent pas parler à la place de Thierry Mungala? Ou Mabiala? Ou Bouya? Ou Onongo? Ou Itoua? Pourquoi ils ne viennent pas parler et faire des conférences de choses, faire l'apologie, constitution, oye, oye? C'est toi qui es homme politique. Pourquoi ils ne le font pas? Ils prennent toujours les gens du Sud pour faire le sale. Est-ce que Bouya peut même parler? Bouya, soi-disant, il était pilote, il a appris les... voilà. Mais Bouya, il va aller à la CPI. Moi, j'ai vu son dossier à la CPI. Il a contribué à la mort des Congolais pendant la guerre du... Tu comprends? Quel était son rôle? Mais il était avec Planète, un général angolais. Ils ont pilonné les quartiers. J'ai son dossier. J'ai vu, le procureur m'a montré ça à la CPI. C'est un Tunisien qui est avocat, qui est devenu... voilà. Donc là-bas, on ne peut pas aller acheter les consciences. Bouya a des griefs. Bouya a envoyé des gens ici pour empoisonner les opposants. On a parlé de ça et les gens sont repartis. Il sera rattrapé. Son dossier va être... Et
Voilà. Bouya m'a cherché la mort. Moi, personnellement, j'ai des gens qui sont venus me voir. Monsieur Bouya nous a payé de l'argent pour vous faire du mal. Donc, lui, je l'aurai. Moi, le problème, c'est d'abord Sassou. Les Bouya, là, tout de même, le jour que Sassou tombe, ils vont fuir. Le Congo, la fuite de Sassou va générer des emplois au Congo. Parce qu'il y a des gens. Bon, est-ce que faire de la politique, c'est sortir avec les femmes des gens, monsieur le journaliste? Mais faire de la politique, c'est mettre les gens en prison. Mais monsieur Karanda, ça, il faut être un villageois. Tu crois que sortir avec la femme de quelqu'un, que tu l'as humilié? Mais non. Une femme, on peut changer les femmes. Il faut être un villageois, être un attardé, être un retardé mental. Ce qu'on appelle communément au Congo, Yeza Zanzan. Si tu sors avec une femme ou une ex à moi ou ma copine ou ma femme, mais que j'en ai à foutre. Parce qu'avant moi, elle n'avait pas de copain. Ta femme à toi ne sort pas avec des autres personnes. Nous connaissons aussi les femmes des ministres qui se font retourner ici par les pasteurs. On connaît aussi des ministres qui hébergent ou qui élèvent les enfants qui ne sont pas les leurs. Mais vu que nous, par rapport à notre conscience qui est très élevée, nous ne dévoilons pas cela. Mais ils se reconnaîtront. Mais je suis de votre avis, quand on parle de l'État, on n'a pas besoin de rentrer dans ces choses qui n'honorent pas l'intelligence d'une personne. Je veux dire à M. Sassou, vous avez trop menti, vous êtes allé trop loin. Nous sommes Africains. Les coutumes sont faites pour servir les hommes, nullement pour les servir, disait Jules Ferry, Monsieur le Président. Monsieur le président du PCT, je signifie bien, parce que vous n'êtes pas président des Congolais. Vous n'avez jamais gagné une élection. Il est grand temps que vous puissiez partir. Dans 2 semaines, les mêmes choses. Vous avez eu la fièvre parce qu'on a cassé l'ambassade, on a brûlé l'ambassade. Mais les gens qui ont brûlé l'ambassade, ce sont vos éléments. Si ce n'est pas vous-même, ce sont les gens que vous avez formés. Vous n'allez jamais voir. Karanda n'a jamais travaillé avec vous. Moi, j'ai déjà travaillé avec vous. Je n'ai jamais travaillé au Congo. J'ai fait un stage à la SNE en passant et puis je suis venu en France. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est bien beau de mettre un général, mais mon coco a des enfants. Il a des amis dans l'armée. Et vous, quand on casse l'ambassade, qui ne vous appartient même pas, vous êtes dans tous vos états. Vous ne donnez pas de laissez-passer. Bon, d'abord, quel est le rôle de l'ambassade? Je ne dis pas que ce qu'on a fait, c'est bien, mais est-ce qu'on donne même des laissez-passer aux gens ou bien des passeports? Le passeport devient un luxe. Monsieur le président, au 21e siècle, monsieur le président du PCT, je dois préciser, parce que vous n'êtes pas mon président, je ne vous ai jamais accepté comme président. Et je ne le ferai jamais, je ne travaillerai jamais sous vos ordres. Soyez sérieux, le Congo ne vous appartient pas. À un certain moment, il y a la loi de la pesanteur dans la vie de tout être humain. Faites la rétrospective. Vous êtes arrivé au summum de vos péchés. Et ça va vous retomber comme un effet boomerang. Croyez-moi, je peux mettre au défi tous les grands spirituels du monde. Il y a ce qu'on appelle dans la vie la loi de la cause et effet. La loi de la pesanteur. La main, quand elle est mûre, elle tombe. Monsieur Sassou, quel que soit ce que vous allez faire. Vous êtes allé en Chine, non? Mais dites-vous bien, l'Elysée, qu'est-ce qu'ils en pensent? Les Français? Vous allez dire que non, vous supportez les Français, mais c'est vous qui nous apprenez à aller vers les Français. Vous allez faire quoi? Vous dites que non, les Français, c'est pas des exemples. On ne doit pas. Mais vous êtes là. Monsieur Mabanko est parti voir. Il est allé en audience chez le ministre des Affaires étrangères. Vous avez envoyé Ngakoso. Mais monsieur le président, mais Mintsosa, le docteur Mintsosa est où? Quand je dis aux gens que le président de la République souffre d'une maladie, les gens pensent que je l'insulte. Les pathologies les plus graves sont celles de l'esprit. Non seulement difficile à déceler, mais difficile à soigner. Monsieur Sassou a un problème des nerfs. Ça, je le dis, je sais de quoi je parle. Aristide, prenez tous les médecins du monde. Ils vont faire le constat. Monsieur Sassou, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'a pas besoin d'arrêter mon coco, de bombarder le pot, de faire tout ce qu'il fait. Bon, il dit qu'il y a la paix au Congo, il y a la démocratie. Si monsieur Sassou a la démocratie, qu'il me donne un courrier, je vais faire 15 jours. Qu'il signe un courrier que Karanda peut venir au Congo pendant 15 jours. Qui m'envoie ça? Il a ma boîte mail. Comme ça, je vais prendre le billet, je vais aller au Congo. Soit Dieu à la paix. Puisque moi, je parle de la politique. Donc, je n'ai pas été comme Mokoko avec le Tony Moudilou. Je n'ai pas fait un coup d'État. Que M. Sassou accepte que je veux le voir. Bon, d'accord, je veux le voir. Moi, je veux voir M. Sassou. Je suis opposant, non? Je veux le voir. Avec 15 personnes de l'opposition. 15 personnes, parce que je ne veux pas aller seul, il va dire qu'il a payé ma conscience. Je parle à M. Mwamba et à M. Sassou, je vais les voir, les deux. Devant l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis et 15 personnes de l'opposition.
du Canada. Naningina lobabwe na baninga ya Brazzaville ya Ngamakoso ya Pointe Noire ya Oyo na ya Fondo ya Le Poule ya Mvinza ya Makabana lelo tuzali na 40 ans ya dictature yali makambo le nord et le sud to mona réalité basia bato ba kobotola ba pension ba kofuta te mayezalité courin zalité kaka ba discours télé Congo ba dui. Le long mal à Congo Zaka est dans le sud de T. Général Oba Simbio ba humilié ba tiba menote. À l'équipe Bango tout n'a pas diplôme. Maintenant l'année Oba Salier. Tout à ça la pona Bango. Bofongo la miso. Bato le Nord n'allait n'arrive le banana Bato le Nord. Bofongo la miso. Ça soit le coup la Moïse Ndumba. Moïse Ndumba au pardonné. Le bioké Moïse a bimé sur la boy. Alors le banana Oya malade ne ba lokanga. On le banana chéri na lingio. À quel issue sous a bimé na chauffeur. Les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Robotique kanga et comme émergence. Oh, ce qui chemin d'avenir. Et je comprends. Après le lobe bébé noir, à quoi tu chaque deux ans, ça soit bim sarabato. Avant Obara akinani, avant Gakala akinani, Dabira. Et je comprends. Abim sara toujours bato. Sauf fané fouvre ouale. Et comme Willy et Toka, ce que madame bani, ça n'est pas comme mon quoi bato mon quoi tu es batté. Boye bité place ouassala l'école royo kaka un tel a commis boué. Un tel a commis boué. Maman Toulembi. Ben Telema, ben Nobana Dolizi, ya Pointe Noire, ya Brazzaville, ya Oyo, ya Infondo, Mouti na keka mouyibi, na baba na yandi. Yannike magicien, magicien ke bongsa jamais boala. Nganga mambo yannike vanda toujours inzo yannike vanda salete. Yannike na sala beno du bienve, yannike na pesa beno mazave. Na la vie à Moutou ke banana maza, beno moutouza ba Biblia. Ba moutel aussi, mouke na zonza na beno. Beno moutke na salave. Bonheur ya ba peuple, benke vanda kuna kusala ki mouyibi. Yannike kufwa ba panga beno zole, beno zaba yao. Donc, si Benozo la cousin, vous avez un zambique rattrapé Beno. Les gens de l'église, vous devez parler. Bato l'église, au Fobo Noba. Maïna courant. Maï, c'est la vie. Kouré Zali Mouinda. Apex Sarabino, pour ne pas ça, ça n'a aucun autisme. Alinga Konome. Sassou ne peut pas me nommer. Sassou ne peut pas me nommer. Bolo Bala Sassou, Dwabika Nomenga. Ou bien Bolo Bala Sassou, n'a qu'en Brazzaville mardi. Ati n'a pas bien, n'a qu'en mardi. Alors, non, non. N'a pas si défi. Ce que ça soit un magicien, ce que l'ingi mboka, mardi ou jeudi, à l'ouba kengana yaka mboka, a ti nanga billet. Ou a kosi mangata, ou bo mangata, a ondi mate. A sakana kana ba, ministre ne ba basi na ye, ou ba salaka bo zoba na mangwana ki pede na bango, est-ce que tu comprends, et tout et tout. Ya ma kamba bo zoba. Yo mouna ba ministre, wak notel manga chef de nanta kwa ba na président, ba lengaka. Est-ce que c'est normal? Deux charges de même signe se reposent. Donc qui paie des allées abominations, qui guine des allées abominations. Nako le banabino en haut. Boko sakabato bantame nabino le kouta ngana ka catholique. Je suis ni maçon ni réseau chrétien. Nalala kana 8 heures nalala mkakana. Nalala kana 20 heures nalala mkakana 8 heures. Bino na bouto fopo kene ba cimetière. Et à le kouta nabino bo yebi peuple congolais te. Peuple congolais l'ingli sou bino te bo tika le kouta. Bo gagne te. Moko kom ta gagne bo te na bo lorote. Boko bon ngosima bo wao. Na Claudine Mounari on m'a appelé. Nous... Et puis, boye même pour que ça n'a pas tout. Bah, boye, n'a bino, bah, marasou, n'a pas, n'a pas, garde corps. Bah, n'a pas, n'a pas, n'a pas, bah, bon, quand moi, n'a moni, bilo, m'a rené, internet, le kelinga. N'a, n'a, ça, n'a, poto, n'a, yébi, n'dégénini, la police française, n'a, justice. N'dégénini, mon bébé, si journaliste, a se retrouvé, n'a, bilo, à la police, y'a, bino. Oh, bah, signez, bah, procès verbaux. Boye, qu'a, soni. Donc, bah, bah, mi, yébi. Ah, on a eu qui les soutient là, bien, on a même mitaka, n'est-ce pas, m'soukla. Dans mon hôtel, on va foutre un bon à l'état, on va faire un bon hôtel, on va faire un mitaka. Bah, y'a bien la guibino déjà, on va aller à l'hôtel, on va faire un bon hôtel, on va faire un bon hôtel, bah, comme on va faire un bon hôtel, 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 on va faire un Bokimi Marbella pour la bonne année à la chambre, moi c'est dans la Marbella, tout coco fête anniversaire. Bobangi Bolivia, ah mon teke à Salibakis, dans la chambre, Bokimi na Chine. Voilà, na 100 km de qui. Bah, pèse ma casse à l'okuta. Biloko, ma pèse l'okuta. Mawa, bako sakana bino sali, papa sasu, na opio kose, so wuni mondele lo begane yo. Ba liyo wa mongo ba wo seka, po si ba jibu ma mongo lo, ba yako beka karanda, motona te ujo jo balaksa. Oh, bako sakana bino fosa, et puis bada no, papa sasu na mwa sto, vre basko, bako mona même pas go pouvoir okima, bako no zo mindele ba wa osko keo. Papa sasu, si baki bato sérieux,
balingaki on a pas c'était yana batomingi au sous-assima ba jumali ba musala ya batoninga ba sala vrai musala mais beaucoup rejoint vrai batono kuta boti la liboso ba njona ba batono kuta ba batona vrai batono kuta te ba na paria ba ko le ba devant ngate ça suba kosa yo tango no ekoki bimisa mokoko na prison donc c'est beaucoup président na ye au le baneka ati conçu au singe pardon bimisa tsuru ce ko sala ngote de la même manière au sali te biso peut-être sala ngonda banano na ko le banango en face ngana opposant on a sali un mot no yo semi semi ngapi na wite bamboka mopaya yo yebinga ngada ba opposa kilikilite ah oui ngasi na quelle place yebaka lokaka na wita suisse mon makamwe no union européenne na witi ba mboka moko bwe makamwe no bikolo kanza beye moko yebi okolela dege samuel do alela ngala sakara kada yote ngobo mangana dolizi na minuit ngana bimana 1h odi mo bebi si on terroriste moni no braza pare info mesure na télé congo ka caméra pa mana micro petit mobile bisa suction Brazza news a suction sur ma côté a suction ka bato baliana hote si dis-moi que Brazza Paris info a me liana yo et bien na la liana est na une année je le connais pas je l'ai même mangé sur sa table na seul le Cameroun na kanga e foulard tanga yamba François Mitterrand voilà na liana est na zo nimbonga na nimbonga collaborateur nimbonga ministre nimbonga moi nimbonga leki na moi ce que je ne fais que mon travail. Maintenant, peut-être que bakati comme tu l'as dit, mission en Gaï, tu as dit que 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 tu as donc, babora na ici sopani awa. Mais comme sopani, kubanga kuka. Bimisaka mokoko, bimisaka batora et puis na kolimisa. Bosi mo bandeke jago lobao non. Moi c'est mokoko, abotana colonel Ikonga, asala boye, asala boye. Mais passé, mais moi. Mais si ko biso pesko stebe ko bimisa ba bombo wana ego nginda. Viens la tiki le micro, continue mot de la. Ça soit motalo kutana kolobao en face. Mokoko a conseillé na yo. Soko yeba ki amu tabaku de tonu ngoti ya te makamba wa sabo zoba. Oko nga kala azanet mutu wa fu. Yo zwa kaka bato liboma bato notu. Vre bato wa sala misala na pesi di batala na te nangolo bana ongo. Oko sa bato debi kala ba yeni mutu wa yo sala misala ya vre. Ba jumali ba yebi to yebi bato. Ba jonsu lo kababa wo ba konsovo avwe makamba pesi te onoma bango jamen. Otia ka ba nga kala banano banani ba nga te obala lo defen banini. Yo soki bato wa sali musala. Mem na conseil national ya sécurité nsuru mta wa sala musala. Nangolo bana ongo en face na yebi lo bien. De mieux que ma maïelle était, n'a pas bien, moi maïelle était, moi la conception était, pour me faire un bon et bel et rien. Mais n'a le nom, ce qu'on bénit, on a vu 40 ans, mandat qu'on a dans la salle à Dolizina, ma camoto à Bosobana, petit n'a pas l'imsanga, n'a pas retourné situation. N'a pas bien, n'a pas tout, n'a pas tout, mais n'a pas tout, mais n'a pas tout, président, c'est parce qu'on méritait, n'a pas salon. Mais n'a pas tout, qu'on peut même se payer aussi, n'a pas l'action de Gélini, ou contourner, bah Mindele. Parce que Mindele, là, tout fan à la bango. N'a pas bango, tout fan à la net, n'a qui beaucoup, vrai camarade, parce qu'on a oumélia. Or, yo, y'a au pire qu'un bon, on va photo, n'a pas bon, on va se rendre au service. Mais Mindele, bah, t'as le kouta. Au l'endroit, mon t'as le kouta, gouvernement français, vous êtes des menteurs, vous avez pris l'argent de Sassou, et vous êtes en train de lui mettre dans la merde. Il est allé en Chine, vous préparez un coup contre lui, je suis au courant, je le lui dis. Et vous n'allez pas le rater parce qu'il n'a pas la technologie. Dans ses costumes, il a des puces, les voitures, tous les avions que vous avez vendus là. Comme vous avez fait pour Kadhafi, vous allez l'avoir dans pas très longtemps. Donc, mes amis de Dolizy, dans 2 semaines, j'arrive ou 3 semaines.